Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation d'un de mes petits bébés, l'oracle des messages de ton cœur, le petit frère de l'oracle des messages de ton âme. Voilà, on a fait un second jeu avec Charlotte, mais je vous en avais déjà parlé, vous savez d'ailleurs qu'il y a un troisième. Il y aura bientôt message de ton corps pour en fait avoir travaillé sur la pouvoir travailler sur la totalité aussi de l'être que nous sommes, mais un être de chair, un être de cœur, un être d'âme. Voilà, donc ça nous tenait à cœur justement de créer ces trois jeux et vient de sortir donc Message de ton cœur. Alors je vais vous remontrer un tout petit peu message de ton âme pour vous faire la comparaison en fait avec les deux jeux. Donc vous aviez cette tranche, ce dos de bleu et cette tranche bleue que je vous mets ici. Et avec message de ton cœur, on a un coffret dans les tons de rose avec un magnifique dos rose. Et des tranches pareilles roses. Donc on a toujours hein, cette carte de présentation de Charlotte et de moi-même. Donc on a un coffret exactement le même hein, que pour message de ton âme. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Il est édité aux éditions Contredire. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Et puis ben, je vais vous faire découvrir les cartes tout de suite. Ce sont des cartes messages, c'est-à-dire que vous avez les messages directement en fait sur les cartes. Donc on a par exemple ici la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. On va parler de souffrance, on va parler d'angoisse, on va parler de potentiel, de vibration. J'adore cette illustration. D'amour pur, celle-là aussi je l'aime beaucoup, beaucoup. On va parler d'écoute, de joie, d'honneur, d'amour propre, d'élévation, d'éveil, d'orientation, de choix, de deuil, d'osmose, de force, de pitié, de sensibilité, pureté, respect, nourriture, mère, valeur, gratitude, appel, soleil, lune, nature, ouverture, équilibre, mental, médecine, avec la médecine du cœur, fluidité, culpabilité, mélodie, patience, jugement, ralentissement, feu intérieur, abondance, cinq sens, non-attachement et épuisement. Alors on va tirer une petite carte. Ce sont des illustrations, vous voyez, que j'ai conçues pareil hein, que pour un message de ton cœur, de ton âme, pardon, à l'aquarelle également. Donc ce sont des jeux que vous pouvez mixer hein, les uns avec les autres. Ah, allez, ah bah puissance. On l'a eu tout à l'heure, puissance, je vais tirer une autre carte. Parce que vous avez déjà eu le message. Hop, hop, hop. On a soleil et lune. Allez, je vais vous lire les deux. Mets-toi face au soleil. Tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale.
et avec la lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Une belle connexion aux éléments célestes qu'on vous propose ici. Voilà, pour avoir cette puissance, justement, pour faire revenir cette puissance, trouver ce bel équilibre en plus entre lune et soleil. C'est la clé de sa puissance intérieure, de son l'équilibre aussi entre sa vitalité, sa force, son action et sa sensibilité, son écoute. C'est la force d'un bel équilibre et d'une belle puissance intérieure. Voilà pour ce joli jeu. Je suis vraiment très très ravie de vous faire découvrir. Et puis ben voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres partages. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye !